Okay. J'ai bien fait de mettre une veste aujourd'hui. Ah oui, voilà. Je me suis dit, je m'habille un peu chic. Ah oui, parce que c'est la revue de mode. Alors, d'habitude, lei vive così, 45 minuti, un'ora, vado di qui, vado di là, corro, sempre veloce. Je crois qu'il n'y a que l'Italie qui m'accorde ce privilège. Ah, à Paris, c'est d'être plus tranquille. Il y a un problème, je discutais dans la voiture avec Christina, à Paris, c'est plus difficile. La culture de la mode est dans toute l'Italie. Toute l'Italie s'intéresse à la mode. À Paris, il n'y a que Paris qui s'intéresse à la mode. Vous savez sûrement Paris, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, voilà, on commence à remonter. Oh, merci. Yeah. Au revoir. Mon père. Mais non, vous êtes Paris, vous êtes le monde. Non, mais tu sais, même dans n'importe quelle ville en Italie, il y a une culture de c'est la vrai. Mode. Ça, c'est vrai. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Et vous avez la culture de la mode, vous aimez la mode? Moi, j'aime la mode parce que je suis né dans le centre de Paris, dans le Marais. Ah, c'est la mode. Donc, il y avait les homosexuels qui étaient là, donc depuis... Ça, c'est Ouais. Mais ça ne se voit pas. Ah, non, Disquare, ce qu'il y a, c'est qu'ils font des choses, voilà, ils font des choses très très bien taillées, mais quelquefois, ils font des choses où il y a le nom dessus, moi, j'aime pas trop, mais je recherche toujours le fitting. Mais Paris, je pense que dans mon quartier, le quartier a été développé par les gays, et ça... Bah vous n'aimez pas les choses comme ça parce que vous êtes un homme sérieux? Non, c'est juste parce que j'aime pas être un espèce de, comment on dit, une PLV. Tu vois ce que c'est une PLV? C'est quoi? Dans les supermarchés, tu as toujours le... La publicité avec le nom en gros, donc j'ai pas envie de ressembler à un supermarché. J'ai trouvé ça très drôle pour Yamamai de. Nous aussi. Qui fasse. Non, qui fasse appel à un DJ de 42 ans pour faire cette chose. D'habitude, on appelle toujours des très jeunes. Vous avez fait pour le corps bien. Ah, mais c'est. La tortue. Non, mais moi, je voulais être professionnel, football ou tennis quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans. Ah, okay. Donc, depuis, j'ai toujours fait beaucoup de football, beaucoup de tennis. Et toujours. Et la nourriture. Maintenant, c'est toujours du tennis. Tennis, c'est un petit peu de sport de temps en temps, mais surtout la nourriture. Mais aussi pour votre travail, vous. Ah, elle veut voir quelque chose. Elle veut voir. Après, tous les deux, on va faire un. Pas de problème. Mais. Toujours un par un. Je peux faire le groupe, mais... Ça, c'est un peu fatigant. Il faut donner à tout le monde, c'est difficile. Mais, non, il n'y a pas de, tu vois, de Photoshop, c'est pas comme si j'étais... Oui. Mais pour, si on peut donner, pour la séance de photo, j'ai fait un régime de 4 semaines. Tu connais le régime protéines. Du camp, protéines. Ouais, voilà. Sport, okay, et oui, protéines oui. 4 semaines. Juste pour, pas pour grossir, non, mais pour sécher, tu vois, pour, pour sécher. Après, la musique. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, facciamo in italiano, basta. Cosa hai fatto per, cosa hai fatto? Come hai fatto per convincere ton mère? Pour convaincre votre mère. Ha! Ha! Et bah, ce qu'il y a, c'est que ma mère m'a toujours connu dans le sport. Elle m'a toujours connu très sérieux. J'étais très timide. Très timide petit. Avec les yeux comme ça. Non, mais c'est vrai, j'étais très timide petit et j'ai eu du mal à comment tu dis, j'ai eu du mal à devenir un peu mature. Ah ouais. Tu comprends? Donc, je sortais pas beaucoup, je faisais beaucoup de sport, j'étais toujours... À quel âge? Je suis sorti quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et donc, elle avait confiance en moi. Okay. J'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais fumé de cigarette, j'ai jamais bu d'alcool, jamais. Ah oui, surtout. Non, j'ai jamais. Non, ça commence très jeune en général. Ah oui, je sais. Donc, moi, je lui ai dit que je voulais faire le DJ, mais moi, j'ai vu le DJ du côté professionnel. Mm-hmm. Tu vois, j'ai pas vu le DJ pour être dans la nuit, dans les clubs. Elle m'a vu passionné avec des disques, faire mes cassettes. Je voulais devenir un artiste. Un travail un peu différent. Non, parce que moi, le DJ, au lieu de faire le live sur des scènes, au lieu de faire le live, c'est un artiste, au lieu de faire le live sur une scène de 8h à 10h du soir, le live, il se passe dans un club de 1h à 5h du matin. Mais c'est deux choses différentes. Les gens, ce qu'ils font, moi, je veux pas savoir. Après, moi, ce que je fais, c'est un travail. C'est ma passion, c'est mon métier, c'est un art. C'est un art. Voilà. Et c'est un art qui est né pas dans la nuit. C'est un art qui est né en Jamaïque,
tu vois, avec les, la culture du Saint-Système. Mais maman, à l'époque, elle ne savait pas, hein. Non, elle ne savait pas, mais elle voyait ma passion pour, la, pour cette culture. Elle avait confiance. Bien sûr, bien sûr. Et vous voyagez beaucoup ? Oui, oui, je fais deux fois, deux fois le tour du monde, à peu près dans la vie. Ah, voilà. Bon, je ne fais pas la visite des sites archéologiques, hein, mais surtout les clubs, et puis je parle avec les gens. Dans la nuit ? Dans la nuit, beaucoup la nuit. Mais vous vivez dans la nuit ? Oui. Ah, oui. Ah, oui. Et il y a des beaux hôtels. L'âge les plus modernes, ils sont à Miami ou à Ibiza. Ibiza, bien sûr. Ibiza, c'est... C'est, moi, ce que j'aime à Ibiza, c'est qu'il y a toujours cette culture hippie, toujours dans l'état d'esprit de l'île. Il n'y a pas de signe extérieur de richesse, comme il peut y avoir à Saint-Tropez, ou même quand on va à Riccione, ou à Forte di Marmi, où les clubs sont très bien, mais il y a toujours ce désir de paraître. Les gens aiment paraître. Ils aiment, aujourd'hui, la personne qui a les bouteilles, le plus de bouteilles sur la table est presque aussi important que le boss du club ou le DJ. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent veulent se montrer. Ibiza, c'est différent. On peut montrer son argent, mais c'est toujours derrière la culture du DJ. Comprends ? Il y a le DJ, le dance floor, et derrière, il y a le VIP. Donc ça, c'est une culture qui est intéressante. Et sur, à la plage, les gens sont tout nus, ils se mélangent avec les gens normaux. Tu vois, tout le monde se mélange assez facilement. Donc c'est une culture que j'aime. Bah, c'est vrai que vous aimez Milan, non ? Oui. Mais pourquoi ? Étonné. C'est une ville magnifique. Bon, moi, j'aime la mode pour hommes. La mode pour hommes. Et à Milan, en France, tu as les Galeries Lafayette. Oui. Et ça commence un petit peu, mais tu vois, Disquare, ils viennent juste de faire un magasin en mois de septembre, alors que ça fait déjà une dizaine d'années que ça marche très très fort. Et on n'a pas Tom Ford, on n'a pas tout ça. On a des marques françaises comme Christian Dior, mais ce que je veux dire, c'est que... Et pour la musique, ça marche, Milan, quand même ? Non. Non, parce qu'il dépense trop d'argent dans la mode. Et on n'a pas d'argent. Mais tu sais, c'est très bizarre, parce qu'il m'arrive souvent que quand j'arrive dans un club et le propriétaire me dit « qu'est-ce que tu veux boire ? » Je dis « écoute, tu me donnes un peu d'eau et tu me donnes un Red Bull, ça ira très bien. » Je dis « tu veux pas prendre quelque chose, un peu de drogue, mais non, moi, tu sais, ça va pas, tu es pas content d'être chez moi, tu veux pas, tu veux des filles, tu veux quelques filles, tu veux, non, mais tu es pas bien ici. Les gens s'imaginent toujours que on fait la décadence tous les soirs. Moi, je pense que si je prenais quoi que ce soit, je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui, parce que j'ai fait plus de 1000 clubs depuis 1998, c'est 110 clubs par an. C'est un sport de haut niveau. La musique, c'est important dans la vie, non ? Quand tu rencontres quelqu'un, si tu dis « qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?» Je dis « moi, rien, je n'écoute pas de musique. Ah, » Il faut se méfier. Ah oui, bien ça, c'est, il y a quelque chose non, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'émotions. La musique, c'est toutes les émotions de la vie. Oui. Quand tu es triste, tu écoutes Sade. Quand tu es heureux, tu écoutes Jamiroquai. Quand tu écoutes Bob Sinclair. quand tu as envie d'énergie, tu écoutes quelque chose. À chaque moment, un dîner... Okay. Excuse-moi, quelle est ta chanson d'amour ? Ma chanson d'amour. Avec ta femme, tu n'as pas la chanson d'amour ? Non, je sais pas. C'est très difficile, une chanson d'amour, peut-être. Alors, on va dire Robin Thicke, Lost Without You. Ok. Oh. C'est une chanson d'amour. Nice. Et vous n'allez jamais dans les clubs comme spectateur ? C'est-à-dire comme touriste ? Bah là, je perds de l'argent. Là. Okay. On a lu que tu as dit que tu préfères les femmes italiennes. C'est vrai, non mais c'est pas... Après cette réunion... C'est bien que tu l'aies dit. Moi je suis amoureux de moi, Monica Bellucci, pour moi c'est... Ah, voilà. Après, alors je sais que vous aimez pas son accent parce qu'elle vient de je sais pas où. Elle est très belle. Elle est pas aussi star que ici, peut-être qu'en France, je sais pas. Elle est très femme. Mais elle est avec un Français. Ah, voilà. Elle a choisi.